C'est honteux de constater qu'un vieillard d'un certain âge peut-il être aussi médiocre à ce point. Il paye des centaines, des milliers d'euros pour acheter une interview sur un média français, pour édorer son blason, son image dépigmentée et froissée. Comment le despote Denis Sassou Nguesso peut-il penser que son interview à Sud Radio pourrait changer l'opinion sur son régime, qui est impliqué dans toutes les affaires louches et criminelles à l'échelle internationale? Combien a-t-il payé à André Berkoff pour qu'on lui débat le tapis rouge à ce point? Ce média français d'extrême droite a violé tous les principes élémentaires du journalisme. Aucune contradiction, aucune question pertinente sur la situation critique, sociopolitique, notamment sur les prisonniers politiques. Cette interview ratée du despote Denis Sassou Nguesso est l'expression hideuse des réseaux mafieux de la France-Afrique. À notre avis, à votre avis, pourquoi certaines personnalités publiques françaises s'abstiennent à s'afficher publiquement aux côtés du despote congolais? Le dictateur Denis Sassou Nguesso est vomi et il en est conscient. Il ne sait plus à quel saint se vouer. Son heure est proche et sa chute sera pharaonique. Aucun Congolais sérieux, je dis bien sérieux, ne peut prendre en compte les déclarations mensongères d'un homme sénile, vieillissant, malade et serpentin. Nous invitons la diaspora congolaise de France et de partout dans le monde de continuer à travailler dans l'ombre pour la chute inévitable de Denis Sassou Nguesso.